France, les Républicains affichent leur unité sur l'Europe, tout le monde a fait des efforts, a déclaré le président des Républicains Laurent Wauquiez dans son discours de clôture. Reuters, Éric Gaillard, Laurent Wauquiez sauve les meubles. Le très contesté patron de la droite est parvenu à afficher l'unité de son parti sur la question européenne lors d'un « Conseil national à Menton ». Même Valérie Pécresse, qui marque régulièrement son opposition à Laurent Wauquiez, a calmé le jeu. Avec notre envoyé spécial à Menton, Anne Sequemont, aujourd'hui nous avons offert une belle image de ce qu'est la famille des Républicains, pas de drame cette fois-ci. C'est un Laurent Wauquiez incontesté qui clôture le Conseil national. En faisant adopter une déclaration de principe qui ne prête guère aux oppositions, fin de l'élargissement, révision de l'espace Schengen, en martelant que la lutte contre l'immigration illégale est la priorité numéro un de l'Europe, le patron de la droite a mis, une fois n'est pas coutume, tout le monde d'accord. Aimer l'Union européenne, c'est regarder lucidement ses défaillances. Nous sommes la seule famille politique à être capable aujourd'hui, à la différence du Front National et à la différence d'En Marche, de concilier les deux mouvements dont l'Europe a besoin, la lucidité et la volonté de redonner un souffle à la construction européenne, a déclaré Laurent Wauquiez. Une sorte de troisième voie destinée à rassurer les plus européens des Républicains comme Valérie Pécresse, Alain Juppé et Jean-Pierre Raffarin. On a beaucoup dit que les Républicains étaient en capacité de s'écharper sur la question européenne et certains avaient d'ailleurs mis un curseur sur ce thème en disant qu'ils en feraient un casus belli et éventuellement une volonté de départ. En définitive, il n'y a absolument rien d'irréconciliable, souligne Gilles Platret, porte-parole du parti, et pour cause, ce n'est qu'à la rentrée que les Républicains rentreront dans le détail des mesures et se poseront la question de la tête de liste.